Salut les mangeuses intuitives, bienvenue sur ce live. J'ai quelques jours de retard, mais c'est un peu la course en ce moment avec mon déménagement, parce que j'ai déménagé, changé de maison, et du coup il y a encore plein de travaux. Tout n'est pas fini, enfin bon bref, c'est le bordel, donc j'ai vraiment pas pu du tout me libérer lundi. Donc vous voyez, on est mercredi et je me libère seulement maintenant. Donc pour vous faire ce petit live sur du coup la restriction alimentaire, et je vais vous expliquer pourquoi selon moi la restriction alimentaire est en fait bien plus dangereuse, bien plus néfaste que la malbouffe, hein, ce qu'on appelle la junk food. Alors déjà, ce que je voulais vous expliquer, c'est que en fait, quand on va se restreindre, quand on va affamer en fait son corps, son organisme, celui-ci, en tout cas quand on l'affame beaucoup trop vite, celui-ci va systématiquement vouloir revenir à son poids naturel, son poids de forme, son poids pour lequel il est génétiquement programmé, ou en tout cas celui pour lequel il est programmé actuellement, si jamais vous avez pris plus de poids que d'habitude. Et donc du coup, il va vous pousser à manger plus, plus riche, et aussi à stocker plus, forcément, à faire des réserves. Et du coup, restriction, en fait, finalement, elle est bien plus délétère que de manger un hamburger une fois par semaine. Et donc, du coup, je voulais voir avec vous si vous pouviez me raconter, me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt Dr. Jekyll ou Mr. Hyde en ce moment, ou en tout cas si vous vous reconnaissez dans ces deux états-là. Voilà, je vous laisse me mettre vos questions en commentaire, me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Si vous regardez ça sur ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne également. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, cette fois-ci le lundi, si tout va bien normalement. Donc le lundi, pour un prochain live, vous aurez le sujet du live dimanche. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut !